Je m'appelle Émile Fructuoso, je suis né le 31 août 1943 à Arcole, un petit village d'Algérie, et je voulais témoigner des exploits effectués par mon père pendant la guerre de 39-45, qui lui aussi s'appelait Émile Fructuoso. De plus, quand j'étais enfant, j'avais 13 ou 14 ans, j'étais encore adolescent, quand mon père rentrait le soir, après sa journée de travail, il faisait 15 km en vélo, et ça grimpait. Pauvre vieux, quand il arrivait, il avait toujours un reste dans sa musette, pour nous, le soir. Alors on allait tout de suite voir mon père, pour grignoter le petit reste qu'il nous gardait tout le temps. Il me donnait sa veste pour que je puisse lui ranger sur une chaise. Je me souviens de cette odeur de sueur, pas une sueur sauvage, une sueur humaine de mon père. J'adore, j'ai encore cette odeur dans le nez. C'est une odeur qui me manque encore aujourd'hui parce que c'était la sueur de mon père. Famille nombreuse, donc c'était à Noël. On avait une séance de cinéma, un film qui nous passait à un gros cinéma de la ville, c'était à l'Empire, un cinéma avec un gros balcon, tout. Il y avait toutes les huiles de l'armée, là. Mon père arrivait avec sa marmaille de gosses, et on était 8 là-bas. Oui, je suis l'aîné de 9 gosses, la 9e est née ici, on était 8 gosses là-bas. On allait tous au cinéma. Et puis on avait une petite bourse de bonbons, chacun. Alors comme on était des... Pas des misérables, mais pas loin, quoi. Tu sais, on était une famille nombreuse, avec mon père qui travaillait. Hein, ma mère faisait quelques heures de ménage, elle lavait le linge au baquet, pas à la machine à laver, à la main, pour certaines voisines qui étaient un peu plus aisées que nous. Et bon, ben, on arrivait comme ça. Et ce Noël-là, bon, alors nous... Ils nous faisaient cadeau, c'était un machin monstre pour eux, pour nous c'était monstrueux parce que c'était de couverture de l'armée. Hein, 2-3 couvertures de l'armée, des chaussures rouges que je me rappelle en carton. Quand on avait passé la semaine dans 2 flaques d'eau, il n'y avait plus de chaussures. Hein. Mais c'était le Noël. Hein, on avait notre petite bourse de bonbons. Ça nous a coûté plus cher de prendre le car et d'arriver au cinéma que la bourse de bonbons. Mais c'est... Mon père était fier parce que il y avait des gradés de l'armée, bon, qui étaient aussi fiers de voir mon père. Ils étaient contents de voir mon père, c'est vrai. Quand ils voyaient mon père, c'était oh, Émile Fructuoso, c'est vrai, d'après les citations qu'ils ont vues, parce qu'ils le connaissaient. Hein, c'était une montagne, c'est un héros de guerre, mon père. On avait ce Noël-là qui ne ressemblait à rien, mais c'était notre Noël des anciens combattants.